le drapeau national dans les mains des écureuils. Au nom du président de la République du Bénin, au nom de tout son gouvernement, et ensemble avec le président de la Fédération béninoise de football et tout son comité exécutif, vous remettre ce drapeau que je vous prie de défendre avec la rage et la force qu'on vous connaît. Michel Dussuyer et sa troupe vont défendre le vert, jaune et rouge à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Ceci n'échappe pas à l'équipe. Et nous avons l'obligation d'aller en Égypte avec ce drapeau, le représenter dignement, avec beaucoup de fierté. Tout faire pour que tout le peuple béninois soit fier de nous. Nous avons l'obligation de le mouiller, mais pas le salir. La mission au pays des pharaons, c'est de faire plaisir à 11 millions d'habitants. Nous savons que vous voulez nous accompagner, que c'est votre pays, vous l'aimez, et tous les Béninois seront fiers de vous demain. Ce n'est pas un retour pour aller figurer. C'est un retour en force, c'est un retour pour faire une belle canne, jouer tous les matchs à fond, passer le premier tour et faire en sorte que le Bénin soit désormais présent à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis venu vous apporter le soutien, le message du gouvernement et du chef de l'État. Vous souhaitez une bonne compétition et même avant ça, vous souhaitez une très bonne phase de préparation. La phase de préparation est prévue au Maroc. Avant de prendre la route du Caire, les écureuils vont livrer des matchs amicaux.